Grinder. On est à 24 heures de Sheffield, à Ultraflex. Pour ceux qui ont vu la vidéo de l'année dernière, c'est la même salle, mais il y a eu des upgrades, je vais vous montrer un petit peu. On est littéralement dans une cage, un espace power. Moi, j'ai toujours pas de power bar, mais bon, on a un petit combo rack, on a des poids. On va essayer de faire une petite séance sympa à 24 heures de la plus grosse compétition de powerlifting de l'année. Il y a toute l'équipe avec moi, je vais vous présenter un petit peu tout le monde. Il y en a, vous avez l'habitude de les voir, il y a des nouveaux. On va essayer d'envoyer une grosse séance, se reposer pour l'événement d'après, parce que ça va être vraiment quelque chose cette année. On a un single RPL 6. J'avoue que je suis un peu hype. J'aimerais bien que 220 bouge RPL 6, ça va être compliqué. La semaine dernière, j'ai fait 210. Dans ces eaux-là, on va voir un petit peu. Bon, il y a eu le voyage et tout. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Après, j'ai back-off 3x4. Pareil au bench. J'avoue que là, la grosse priorité, c'est le squat. Puis on va devoir avoir Addison, normalement, qui a un single sympa au bench. Je vais vous montrer ça. Si elle est en forme, vous allez voir que c'est juste très, très solide maintenant, El Cinco. Allez, fais le travail! Allez Hugo! Allez! Allez, allez, c'est maintenant là. Let's go. Hop, allez. Oh là, oh. Oh shit. Oh shit. C'était dur. C'est dur. Il est genre à 800 ou 900, genre 900, donc ça fait genre je sais pas combien de pourcentage du record du monde, genre énorme, genre les autres pour qu'ils aillent matcher ça, ça fait de ouf hein. La roue tourne va tourner comme dirait un grand ton. Vous avez pas la ref? Mais j'espère que la roue tourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous. Bon, bienvenue dans le jour 2, allez, si c'est le parole. Jour 2 les amis, la maison se réveille tranquillement. Mais oui, faut que je fasse un peu... La maison se réveille, c'est loup-garou. Bah oui, les villageois se réveillent. Les villageois se réveillent. On va tranquillement se mettre en place pour aller à la salle très vite ce matin. Et puis après, on va se diriger vers le centre-ville, vers Sheffield, vers là où le choc des titans va commencer. Je vais essayer de parler fort. Comme vous n'auriez pas remarqué, il y a 10 fois plus de monde qu'hier. Là, on sent que tous les peurs veulent faire leur séance avant Sheffield, la musique est ouf. Donc on va essayer de parler fort et de pas trop parler pour essayer de profiter un peu de l'ambiance et de la séance. Mais ouais, du coup j'avais un pause deadlift qui était prévu. Je mets mes belles fesses, je marque les pauses un peu plus longues parce que j'ai un peu mal à l'aine, ça fait un moment depuis le squat. Donc on va essayer de régler ça, regarder quelques petits exos, je vais voir si j'ai le temps de vous les montrer pour les petites douleurs à l'aine. Mais là le but c'est vraiment de se faire plaisir, de ne pas se faire mal,
On a fait une super bonne séance hier, on va continuer à avoir de la bonne énergie aujourd'hui et profiter tout à l'heure prochain film. J'espère que vous avez entendu et puis sinon je me kifferai training quand qu'il arrive. Non, nickel, je vais rester comme ça, je pense. 3 séries. Let's go! Allez! Allez, vitesse! Allez! Verrouille! Un peu vite, hein? Mais en fait, c'est très lent parce que la plateforme, je sais pas si tu sens, elle est hyper instable. J'ai zéro équilibre en mouillé. Trop contente que ça passe. Allez, on est avec toi, on est avec toi. Allez, va. Après avoir fini la portion powerlifting de mon entraînement, je suis allé rejoindre Florian, champion de bodybuilding naturel avec qui j'ai déjà enregistré un podcast qui était aussi de passage à Sheffield et qui m'a aidé à faire mon renfort. Enfin, quand j'y ai aidé, je le remercie pas puisqu'il m'a complètement détruit les quads. Et là, on va faire quoi nous ensemble hein? Là, du coup, on va faire l'extension prime tout ça. Putain, je l'ai fait hier. Une bonne tension, c'est vrai? Je l'ai fait hier, on va refaire. Ouais, ça marche. Enfin, tu vas nous montrer comment le régler parce que j'avoue qu'hier, j'étais un peu... L'avantage avec celui-là, c'est que t'as... plusieurs types de réglages, tu peux avoir soit la résistance au début, soit au milieu, soit à la fin, soit au début, au milieu, etc. etc. Les fameuses machines du NAS Gym. Exactement. Ok. Là, t'as réglé là, c'est ça? C'est ça. Ce que tu cherches à faire la cuisse, c'est être le plus ancré possible dans le ciel. Tu cherches à avoir une bonne flexion de genou, plus t'auras de la flexion de genou, plus t'auras un bon poids de quad, plus ton étirement, ça pour être bien maintenu. Et là, normalement, on va pouvoir caler des élastiques pour être un peu plus ancré dans le ciel. Voilà, et puis let's go, ça va faire mal. J'en ai eu avant. Ah, c'est pas des blagues les gars, non. Les bodybuilders pro ça non. Mais tu fais cette intensité là à chaque séance. Ouais, j'ai plus d'excentrique aussi. Ah, toi t'as meilleur temps en fait d'avoir de l'excentrique et pas de pause en bas du mouvement. Tu peux essayer de faire pause. Ça tu mets ton tension aussi. C'est un truc à prendre, t'inquiète. C'est pas des blagues les gars, je jure c'est pas des blagues. Allez gros! Allez Flo! Allez! Allez au revoir gros! Allez!
Allez, Flo. Je te laisse pas tomber, tu vois. Voilà, c'est bien. Je suis mal, là. J'ai encore mal du... Voilà. Et toi, tu veux une pause ou pas? Comme tu veux, moi, je fais pas de pause. Je vais garder les talons, on va se coller. Voilà. Déroule, monte pas, t'arrêtes pas. Déroule. Tout seul. Allez. Encore. Maintenant. Allez. Encore. Trois au moins. Allez. Viens. Deux encore. Allez. Continue. Yes. Encore deux. Maintenant. Honnêtement, je savais pas trop. J'ai limite hésité à partir faire une de plus. Je me suis dit, peut-être que. Non, le booty, c'est pas des lols. Ah, j'ai cassé la voix, bordel. Oh la vache, c'est bien. Oh. Mais ça, allez, les Français là. Et si tu fais ça à Fitness Park, ils te tèchent de la salle, gros. Voilà. Parti. Allez, c'est bien. Allez, tu manges à la vitesse, à t'enfiter là. Allez, on manche à la vitesse. Allez, Flo. Go. Allez, on est avec toi là, allez. Let's go, Flo. Allez. C'est là. C'est maintenant, gros. Bagarre. Let's go. Allez. Là, encore une. C'est l'intensité. Est-ce que vous faites ça à votre compo? Moi non plus, je pense pas que vous aussi, donc. Mais par exemple. Dernière série avant d'aller à Sheffield. Donc. Flo, il m'a concocté un 20 rep sans pause. Donc on va y aller. Là, il faut une chose. La musique la plus calme possible pour être sûr de ne pas faire d'erreurs techniques. Tu dois faire quoi? Calme possible. Calme? Ouais, ouais, toujours. Merde, c'est genre des trucs toujours. Et le souffle, genre, toujours penser à. Bien sûr. Faut pas que tu sois essoufflé. Parce que si t'arrives à l'échec, quand ton souffle, au lieu de ça, c'est baiser, tu vois. Allez, encore 5.
Laisse des répétitions sur le réserve, moi. Laisse des répétitions sur le réserve, attends. Fais voilà. J'ai rien laissé. The strongest powerlifters in the world have all arrived in Sheffield, UK. Where they're going to battle it out to find out who is the true champion of champions. This is a fair playing field in each weight class. The goal is simple. Break the world record in your weight class by the greatest margin, and you win Sheffield. With over 445,000 pounds on the line, every single lifter is going to be going all out because they have to. Voilà, on est de retour après un an. Ça s'appelle comment, Sheffield Stadium, non? City Hall. Sheffield City Hall. Vous pouvez voir tous les autres joueurs. Il y avait plus d'ambiance l'année dernière quand même. Il y avait des petits chants là. Mais ils faisaient meilleur. Ils faisaient meilleur. Bon, apparemment, ça va être chaud de rentrer les caméras et la nourriture. Donc, on vient de tout acheter. Aïe, 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 aïe. Donc les gars, j'espère qu'on pourra vous proposer des images, sinon ça va être compliqué. C'est dommage. C'est dommage parce que l'année dernière on pouvait tout rentrer, là... Je sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être on se retrouve à l'intérieur, peut-être pas. On a réussi à rentrer, je vais essayer de pas trop faire le malin pour qu'on se fasse pas trop repérer. Il y a eu des gros upgrades depuis l'année dernière, franchement le plateau je vais vous le montrer mais il a l'air incroyable, c'est beaucoup plus rouge et tout. On est exactement à la même place que l'année dernière, donc on va essayer de vous... Je vais essayer de vous filmer ce que je peux, c'est assez sombre. Donc excusez-moi déjà pour le... Pour la qualité de la vidéo, on va faire au mieux, mais franchement, on a hâte. Hein. On a hâte et en tout cas, le plateau a l'air beaucoup plus impressionnant que celui de l'année dernière. C'est les openers. Et là, rien qu'avec les barres d'ouverture, Agatha, elle est déjà à 103% du record du monde. Après, derrière, c'est serré, 90, 98, 95. On est chez lui. Débrief du squat, déjà trop d'émotions, ce qui vient de se passer les filles. Donc maintenant ça squat 300 kilos, c'est la norme maintenant. C'est la 300.5, now this is a milestone in women's powerlifting. The first 300 kilo squat being loaded. Is loaded! Allez pour l'histoire! Dommage pour Noémie, on était tous derrière, elle a manqué les 170. Ça va être compliqué pour la suite, on va voir, on va se tenir quoi qu'il arrive. Hein. L'IA qui était en mission. Honnêtement, vu la première comment elle a bougie, on n'y croyait pas trop.
Et puis après, 218, elle a éteint. Oh, 225, elle a éteint. Franchement, respect. Tiffany qui repart avec le chèque, mais je pense qu'elle doit être déçue d'avoir raté 162, je pense que c'est pas la première fois. 62,5, ouais. En tout cas, l'IA est bien partie, en tout cas, mais même si elle va avoir la grosse concu avec Agatha. Donc Agatha, même si on la voit pas trop au squat. Oh, what a heart on Agatha! Wow! Vous allez voir qu'au bench et au deadlift, ça va être une dinguerie. Elle est en mission, elle a cut, elle est rips, elle est passée de tonneau à frigo, ma gueule. Donc là, elle est pas venue pour rien. Et qu'est-ce qu'on a? Donc chez les garçons, très sous, les gars, c'était. Enfin, c'était. On vous mettra les images. Enfin, je veux dire, s'il y a un autre être humain qui arrive à squatter ce que Jesus squatte sur Terre, je sais pas. Je pense qu'il faudrait voir ce que les gens ils font en raps là, parce que je pense qu'il y a des mecs qui doivent squatter la même chose en gros. C'est une dinguerie. Et les fanboys là, Jen, do you want to say something to the camera? Non. Where is the Ireland team? Je ne peux pas le penser. Where is the Ireland team, Jen? Let's just repeat there next year, okay? Yeah, yeah, make a list, she's coming, okay? C'est dommage pour Pana. Par contre, le japonais, il a une paire de couilles énorme. Il a une paire de couilles énorme. Ouais, il faut carrément qu'on ne croyait pas, mais là... C'est un big jump. C'est un big jump. I think no. Duel des 66, les couronnes de mammouth du japonais qui est revenu après avoir raté son opener. Il a remis les 240 en troisième barre, qui est revenu collé à Pana du coup. Et Pana a manqué sa deuxième et troisième barre. Oh! Oh my goodness! Can he do it? Can he go? On va avoir un match hyper intéressant entre les 266, on va suivre ça à fond. Gavin Hayden qui est revenu avec une énergie les gars, le mec dès l'opener il était à fond, il faisait le show et tout. Je sais pas si ça va passer niveau IPF de faire autant de show, en tout cas nous on apprécie. Pour le spectacle, vous nous direz ce que vous en avez pensé en live. D'ailleurs je viens de checker le live un peu au téléphone sur YouTube et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chat, pas de commentaires, donc ça c'est un peu dommage. Là je ferai le maximum pour vous donner un peu l'ambiance ici, c'est une folie. On a énormément de monde, mais vraiment, c'est un peu comme l'année dernière, le stade il est rempli, enfin les stades, l'amphithéâtre il est rempli. Et donc là, heureusement qu'on a les pauses entre, parce que vraiment c'est irrespirable l'air à l'intérieur, tellement c'est la pression, le chaudron et tout, franchement c'est incroyable. Donc on a hâte de voir ce qui se passe au bench, et surtout au deadlift. Les gars, on sort du bench, on sort sur une grosse UAD pour Jesus qui malheureusement a jumpé en fait, je sais pas si vous avez bien vu au live, mais en fait il a jumpé le start, l'arbitre, on va pas trop dire ce qu'on pense, mais vraiment il y a eu des presses un peu litigieux, on va dire ça comme ça, des ordres pas très constants, mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas du sport malheureusement. On a eu quand même Keiko qui a fait honneur comme d'habitude, même si on s'est fait un peu peur aussi, un peu sur quelques rouges. Duel des 66 qui ne démentit pas, franchement ça va jouer le dernier des vifs. Pana comme d'habitude qui nous a sorti un super grind de la 172. Qui a raté lui, 72, donc ils sont vraiment au coude à coude. Le daily, je pense que ça va être incroyable, ça va jouer à qui va rater le premier, je pense. Tony Cliff aussi, le chouchou du public, évidemment, le seul anglais de la compétition, je crois. Tony, 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 Tony.
À chaque fois qu'il passe, c'est une grosse dinguerie au niveau du public. Ça fait plaisir à voir. Et au niveau des filles, on a Lia qui est franchement elle est là sur la meilleure compète de sa vie. Qui a, dans une forme olympique, elle est sur un 6 sur 6. Vraiment top performance. She can cover a lot of ground in that event. Wow. Attempt selection right on the button. Right on the money with that attempt selection. Malheureusement, ça va être super chaud, même impossible, je pense, là, d'aller chercher Agatha qui l'a fait une dinguerie. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, elle a benché 154 comme si c'est de l'air. Oh my goodness. Et Tiffany aussi qui repart avec son chèque et son record. Donc bravo à elle, je pense que ça faisait longtemps aussi qu'elle cherchait ce 100 kg, ce record. Et on a hâte de voir ce qui va se passer pour le deadlift, ça va être le dénouement final de beaucoup de batailles. On a hâte de voir ça, et mention spéciale à Noémie qui fait le taf pour sa deuxième sélection mais qui est vraiment, vraiment long. Fin de compétition, je vais essayer de vous débrief. On va commencer par les garçons parce que c'est ce qui est le plus vrai dans ma tête. Et sous ce que dire, 429 pour le hold-up qui passe pas. Du coup, qui finit pas du tout sur le podium. Grosse surprise chez les garçons, c'est là qu'on voit que le niveau chez les garçons était très élevé puisque les records du monde n'ont pas été battus de beaucoup pour ceux qui ont gagné. C'est très dommage pour Pana parce qu'il y avait vraiment un boulevard au final vu que Jesus s'est un peu fait caca dessus sur la compète. Oh, oh. Oh, wow. Lost his balance. Mais bon, en tout cas, on a une grosse bataille des 66, c'était vraiment super, c'était vraiment top. Voilà ceci qui tape le record de Russell. And there it is. Redemption for Delaney Wallace. Delaney Wallace leads Sheffield. No more doubt, he's been chasing this record. Russell Opelis, Russell Opelis. Je pense que Russell va le prendre très à cœur et va revenir très 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 fort. I just wish I was there, like I'm watching some of these guys do some of the numbers, and I'm like, man, like I'm right there, like I'm. Just fun to watch, man. Fun to watch. Chez les filles, gros bravo à Lia qui a fait une compétition parfaite 9 sur 9, la meilleure compétition de sa vie et qui vraiment, je pense, là, a monté le standard à un niveau en France qui va être très très dur d'aller chercher, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Donc un gros bravo à elle. Agatha qui a détruit, mais vraiment détruit, ça m'étonnerait pas qu'au classement Dots ou IPF Pot, etc. elle passe meilleure powerlifteuse du moment parce qu'elle a vraiment tout détruit en descendant de KT et en allant chercher tous les records. And it looks like she's done it! Did it dip? Is it good? Agatha Shitko wins Sheffield 2024! 600 kilos! Vraiment un gros bravo à elle, et encore elle a pas vraiment de squat, donc le jour où elle aura un squat ça va vraiment être quelque chose. Spéciale mention à Noémie qui s'est battue jusqu'à la fin, malheureusement c'était un peu compliqué pour elle cette année. Et enfin félicitations à Jade Jacob que malheureusement j'ai oublié de mentionner dans l'euphorie de ce débrief de fin, mais qui ne fera pas le podium cette année parce que c'est la catégorie des moins 69 qui a pris le dessus. Mais elle fait quand même une performance monstrueuse avec une revanche sur l'américaine qui l'avait battue au championnat du monde. Maintenant elle a clos le débat, record au squat, record au deadlift, record au total et l'oseille. Bravo Jade et j'espère que tu l'enterreras encore une fois au championnat du monde en juin. Gros big up à tous ceux que j'ai croisés qui ont pris leur billet d'avion pour aller voir Sheffield cette année parce qu'ils ont vu la vidéo de l'année dernière. Si cette vidéo vous a pas convaincu, allez voir celle de l'année dernière et prenez votre billet parce que vraiment Sheffield ça vaut le coup. C'est vraiment la meilleure compétition de powerlifting du monde et de loin. Abonnez-vous encore une fois si c'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, un prochain podcast. Ciao.